Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je veux vous souhaiter un très bon début d'année 2014. J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes et pour 2014, je vous souhaite de réaliser des choses qui vous tiennent à cœur et d'avoir du plaisir, de faire que ce soit une très bonne année pour vous. Puis c'est ça. Donc aujourd'hui, je veux vous présenter les cadeaux que j'ai reçus pour Noël et je suis vraiment très contente de ce que j'ai reçu. Je me sens vraiment gâtée par mon entourage, puis je m'attendais vraiment pas à toutes ces choses-là, puis je suis vraiment vraiment contente. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premièrement, ma maman que j'aime et que vous aimez aussi d'ailleurs grâce à mes vlogs. Premièrement, elle m'a donné son lait de douche préféré et c'est le lait de douche de chez Biotherme aux essences d'agrumes et elle adore. Elle adore. Ça sent vraiment très bon. Puis j'ai hâte d'essayer parce que justement c'est enrichi en agents surgras. Donc pour l'hiver, c'est vraiment parfait. Puis sur le loofah de chez The Body Shop, ma mère dit qu'il mousse vraiment beaucoup. Donc ça, j'ai hâte d'essayer ça. Puis j'étais vraiment contente qu'elle me donne un produit qu'elle aime beaucoup. Ça. Ensuite, elle m'a donné deux produits de chez Bleu Lavande, une entreprise québécoise qui vend de la lavande dans le fond. Donc j'ai eu un petit sachet de lavande pour éloigner toutes les mites ou en tout cas tous les petits insectes qui voudraient grignoter mes vêtements, donc ça ne me tente pas. Et aussi j'ai reçu un gel douche à la lavande avec plein d'huile très hydratante pour la peau. Sans la lavande, là, c'est vraiment bon, c'est très relaxant, donc pour le soir j'ai hâte d'essayer ça quand je vais prendre ma douche. Voilà. Ensuite, en tant que futur prof de français, là. Elle m'a donné quelques petits trucs, donc par exemple les énigmes littéraires extraordinaires de Stéphanie Bouvet. Ça, c'est vraiment juste des petites énigmes, des charades, des jeux d'esprit, whatever, sur la littérature, les belles lettres, tout ça. Donc moi ça me plaît vraiment beaucoup, puis j'étais comme chouette, nice! Donc j'étais vraiment contente. Ensuite, j'ai reçu ça, c'est 500 questions sur la culture générale. Puis je trouve que c'est vraiment important d'avoir une culture générale qui se respecte. Donc ça ressemble à ceci. Puis dans le fond, c'est comme on peut y jouer. Avec à l'intérieur, il y a un petit dé. Donc comme ceci. Donc il y a différentes couleurs, comme les bleus, c'est les littératures. Les jaunes, c'est les histoires contemporaines, et ainsi de suite. Fait que ça, moi j'ai vraiment aimé ça. Et aussi, en tant que bonne prof qui se respecte, j'ai reçu des post-it. Ça, j'étais vraiment contente. Donc j'ai reçu ceci. Et aussi les super collants. Et ça, c'est Marie-Ève. Marie-Ève, je sais pas si t'écoutes ça, mais genre, merci tellement parce que ils sont vraiment super collants. Ensuite, c'est le nouveau de chez CoverGirl, le Bombshell Volume. Ça ressemble à ceci. C'est celui qui a un double embout. Puis j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis évidemment, je vais vous dire ce que j'en pense quand je l'aurai essayé. Mais ça, j'étais vraiment contente. Puis j'étais comme, oh nice! Donc ça, j'ai reçu ça. Et j'ai aussi reçu des bas de ma maman parce que elle avait des vraiment jolis bas, puis je lui volais souvent. Donc là, elle a remédié à la situation. Donc ils viennent de chez Winners et c'est des bas aérosol, taille 9-11, j'ai des grands pieds. Il y en a avec des poids, il y en a avec des lignes et il y en a des unis. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils montent assez haut sur la jambe. Ceci, j'ai comme mis mes bas dans mon gloss. Dans mon bas de Noël, ça c'était très drôle, j'ai reçu ces petites Mystifying Mints, donc c'est comme des menthes Ouija, je trouve ça vraiment très drôle, c'est vraiment pour rigoler, mais nous on croit en Ouija, on en a un chez moi, mais chez nous en fait, puis j'étais comme oh c'est bien trop drôle, puis ça m'a fait bien rire. J'ai aucune idée si ça goûte bon, j'imagine que oui, mais on s'en reparlera. Ça, et avant-dernier cadeau, j'étais vraiment vraiment contente, c'est Leçon de style de clin d'œil, donc c'est un genre de livre magazine avec plein de trucs, d'idées. Par exemple, les essentiels, comment bien s'habiller pour sa silhouette, des trucs infaillibles, les accessoires, des looks de base, plein de choses. Et aussi, par exemple, comment nouer un foulard, les différents types de ceintures. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, ça ressemble à ceci, puis j'étais vraiment, vraiment contente parce que je trouve que c'est un beau. Puis, comme, je voudrais avoir ça. J'étais vraiment contente. Puis, aussi, ça c'est comme un cadeau vraiment de dernière minute, acheté par moi, payé par ma mère. Bon, vous savez que je suis une grande fan de la palette Naked 1, mais là je me suis acheté la Naked 3 parce que elle est trop belle. C'est comme à ceci. Je l'ai encore dans l'emballage. Ça fait depuis le 24 que je ne l'ai pas ouverte parce que j'attendais de vous faire la vidéo.
Puis je pense toujours à qu'est-ce que je pourrais faire comme look, j'ai vraiment hâte. Puis oui, je vais vous faire des maquillages avec ceci. Ok, ça, j'étais vraiment contente de l'avoir. Elle est trop belle. Puis, bon, ma mère m'a donné ça, puis j'étais vraiment, vraiment contente. Oh, mon Dieu! Maman, merci! Maman. Ça me fait trop plaisir. Bye. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Okay. Puis là, mon père, lui, ce qu'il m'a donné, en fait, il a payé mon renouvellement au gym. Donc ça, j'étais vraiment, vraiment contente. Puis aussi, on est allé voir Casse-Noisette à Noël avec... Ben, pas Noël, mais le 28 avec mon copain puis mes parents. Ça fait que ça, j'étais vraiment contente. Puis on était vraiment proche de la scène. Tu sais, j'entendais les pointes sur le sol. Pour moi, là, j'étais au paradis. Puis tout le long, j'avais une face comme... Mon mec, il riait de moi un petit peu. Mais c'est pas grave parce que j'étais vraiment... J'ai adoré voir ça. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Puis à chaque fois que j'en parle, il y a plusieurs d'entre vous qui me disent « Ah oui, j'ai fait Clara il y a genre 2 ans. Ah oui, ma soeur, c'était un mouton. Ah, moi, j'étais un ange il y a 5 ans. » Puis je vous admire tellement. Vous savez même pas à quel point je vous trouve vraiment merveilleuse. Ça, puis aussi... Ouais, il m'a acheté ce mascara-là. C'est le mascara Butterfly de chez L'Oréal. Donc ça, j'ai bien hâte de le tester. Tout comme le Bombshell de chez CoverGirl. Donc voilà. C'est ça. C'est pas mal tout ce que j'ai reçu de mes parents en tant que tel. Mon copain, lui, ce qu'il m'a donné, j'étais vraiment, vraiment contente. Il m'a donné le collier que je porte en ce moment. Puis je m'entendais vraiment, mais vraiment pas. Donc, de ce collier-là, puis je le trouverais en beau. C'est, dans le fond, c'est un cœur avec... C'est comme une serrure en forme de cœur avec une clé. Fait que c'est ça, puis j'ai aussi des chandelles, parce qu'il sait que j'aime beaucoup les chandelles de chez Bath & Body Works. Donc, la grosse que j'ai reçue, c'est Winter Wreath, qui sent vraiment très bon. Ça sent le sapinage, c'est très frais. J'aime beaucoup. Ensuite, il m'avait acheté 3 petites, sauf que j'avais déjà résine fraîche, donc je lui ai donné, puis il était vraiment content. J'ai aussi eu menthe eucalyptus, qui sent vraiment bon. Je trouve que, tu sais, pour une soirée spa où on relaxe, c'est vraiment parfait. Donc ça ressemble à ceci. Et la dernière, c'est mahogany teakwood. Oh my god. Ça sent Abercrombie & Fitch, puis si vous êtes une fille, vous savez que ça sent délicieusement bon. Donc ça, j'étais comme, oh my god! Ça sent tellement bon, ça sent épicé, ça sent l'homme, ça sent vraiment bon. Vraiment bon. Fait que c'est ça. Puis là, oh, puis aussi, mais ça c'est comme un. En tout cas, c'est que sa mère, il y a une mec qui sa mère a donné ce cadeau-là, sauf que les gars ne lui font pas. Donc il me les a donné, puis j'étais bien contente. Donc dans le fond, c'est des gants pour l'hiver, évidemment, mais c'est pour les téléphones intelligents avec des écrans tactiles. Donc ici, vu que c'est en relief, l'écran tactile va pouvoir détecter qu'il y a une présence de doigts. Puis aussi, on peut faire ça pour pouvoir texter. Mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool. Puis, ils sont assez épais, puis ils ont l'air quand même chaud. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Puis, c'était comme inattendu des deux côtés. Donc ça, vraiment très chouette. Puis aussi, la famille de Mick m'a donné des cadeaux. Puis, je m'en attendais pas tant que ça. Puis, j'étais vraiment contente. Puis, je trouve que c'est des vraiment beaux cadeaux qu'ils m'ont fait. Puis, ouais. Donc, c'est sa tante et son oncle m'ont donné ça. C'est un bracelet du style Bubble Bar, mais je pense, en tout cas, j'ai aucune idée. Donc avec des billes turquoises, puis je trouve ça vraiment beau. Puis par contre, j'ai de la misère à le fermer, puis parce que j'ai peur de le briser. Mais en tout cas, on s'en reparlera. Puis là, sa tante Mireille m'a fait un cadeau, puis j'ai capoté. J'ai tellement capoté, j'étais comme... Je me suis mis à crier, j'ai appelé ma mère, on a sauté un petit peu. C'était bien. C'est comme... Wow! Wow! Il y a ces 10 teintes avec des paillettes et des petites étoiles. Puis ici, il y a des idées de nail art. Et je capote, j'étais comme « Oh my god! » Fait que ça, j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. Puis, tu sais, eux, ils savent que je trippe bien gros sur tout ce qui est beauté, maquillage. Fait que, tu sais, c'est comme simple, m'acheter des choses. Mais ça, j'étais vraiment, vraiment contente. Puis je l'ai appelé puis je l'ai remercié à quel... Je lui ai dit à quel point je trippais sur le cadeau. Fait que c'est ça. Puis là... Ça, je m'entendais vraiment pas. C'est les amis de ses grands-parents m'ont donné ça. Puis j'étais vraiment contente. Puis c'est de chez Free Passion. C'est un duo pour les mains. Savon et crème à main dans l'odeur bouleau givré. Puis okay, le savon a des brillants. Come on, c'est trop merveilleux. Puis ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment différent de ce que j'ai d'habitude. Mais c'est vraiment très fun. Puis j'aime aussi le porte savon et crème à main. J'étais très, très, très contente de recevoir ici.
Puis là, ses parents, ils m'ont fait des cadeaux. Parce qu'ils savaient que j'aimais beaucoup l'odeur. L'odeur de chez The Body Shop, vanille gourmande. Donc, ils m'ont donné le petit cube de chez... Ben, le petit cube, donc avec un bain corporel, un gel douche et en arrière, il y a le loofah. Et les loofahs de chez The Body Shop sont merveilleux, là, comme... Vous savez même pas à quel point ils sont merveilleux. Puis aussi, dans la même odeur, j'ai eu le gel douche version complète avec la lotion scintillante. C'est la lotion avec des paillettes à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment cool. Puis ça sent trop bon. Donc, j'étais vraiment, vraiment contente. J'étais comme, merci beaucoup! Puis aussi, elle m'a donné des petits autocollants pour les ongles de chez Essie dans le motif Small Pleasures. Et j'adore le motif. J'adore le motif, c'est trop cool. Puis, je trouve que les collants de chez Essie sont très faciles à utiliser, à appliquer sur les ongles et aussi à retirer. On peut juste les retirer en les poussant un petit peu. Tandis que ceux de chez Sally Hansen, il faut les dissoudre au dissolvant en dernier ongle, ce qui peut être un petit peu long. C'est ça! Puis, où je fais du tutorat, elle m'a donné des cartes, c'est cadeau de chez Starbucks, fait que ça j'étais vraiment contente. Et chez ma marraine, le 26, il y avait un petit échange de cadeaux. Puis là, ça c'est Effa, le chum à ma cousine, qui m'a donné ça, puis j'étais vraiment vraiment contente. C'est des pantoufles, des genres de bottillons pantoufles, tout doux, ils sont vraiment très 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 doux. Puis, mais ils sont extra larges, parce que j'ai des extra larges pieds. C'est ça. Puis ça, je les aime vraiment beaucoup, puis j'étais vraiment contente, puis il y a déjà les petites boucles dorées, c'est que j'aime. Quoi? Oui, maman, j'ai des grands pieds. Je m'assure. Ben, il faut, puis, sinon tu dis qu'on prend pleine face. Non, hein? Maman, c'est un sage. Puis ma marraine m'a donné aussi, pour respecter la tradition, si on veut, un pyjama. Mais là, c'est une robe de chambre. J'étais vraiment contente parce que j'en voulais une, mais je l'avais dit à personne. Parce que je sais pas, j'avais comme pas envie, en tout cas. Puis je la trouve vraiment, vraiment belle. On est comme connectés, ma marraine et moi. Là. Puis je la trouve vraiment belle. Elle est vraiment, tu sais, elle est longue, mi-mollet, cheville environ. Puis je la trouve vraiment belle. Ça va, ça. Bonne année! Oh mon dieu! Merci maman! You're so welcome! Oh mais c'était ma mère, hein? C'est ça qui est ça. Donc ça, j'ai eu la robe de chambre, puis je la trouve vraiment belle. J'aime beaucoup le motif, c'est très doux. Donc, c'est ça que j'ai pour Noël. Je suis vraiment contente. J'ai vraiment été gâtée. Je m'attendais vraiment pas à tant de choses que ça. J'espère que vous avez passé un beau Noël, que vous avez eu des beaux cadeaux. Puis, si vous voulez, dites-moi votre cadeau préféré. Donc, voilà les filles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une très bonne année 2014. Et sur ce, on va se revoir dans une prochaine vidéo. C'est tout. Ben, les filles. Puis, ah, la laveuse est prête. Voilà les filles. Puis j'ai tout perdu mon momentum.